comment réagir à certaines questions difficiles, à certaines questions qui peuvent paraître déstabilisantes. Par exemple, Emery disait tout à l'heure, « Que pensez-vous, monsieur, du mariage pour tous ?» Ça peut paraître difficile comme question, et c'est de fait évidemment une question difficile, mais je crois qu'il ne faut pas se dérober à cette difficulté, qu'il ne faut pas esquiver, et qu'il ne faut surtout pas opposer au jury une fin de non-recevoir, en lui disant « Ah non, vous n'avez pas le droit de me demander ça, écoutez, ce n'est pas le lieu d'en discuter, ça relève de mes opinions privées, je me retranche derrière mon droit à ne pas répondre à la question et finalement je casse le jury en lui disant c'est une très mauvaise question, etc. » Surtout pas, surtout pas. Il faut, vous n'avez pas le droit en fait de vous dérober, il faut pouvoir proposer une réponse. Et cette réponse doit être intéressante, acceptable, réfléchie, posée. Et c'est pour ça que sur ce genre de questions, plus encore peut-être que sur les autres, il faut prendre le temps de la réflexion. Et il faut proposer une réponse qui soit structurée. Peut-être qu'elle peut justement respecter le schéma argumentatif que je vous exposais tout à l'heure sur l'exposé initial à Audencia ou à Grenoble, c'est-à-dire l'argumentation par concession initiale. Commencer éventuellement par concéder une part de vérité à la thèse adverse par rapport à la vôtre, pour montrer que vous n'êtes pas sectaire, que vous n'êtes pas un extrémiste radical dangereux, avant d'affirmer votre position personnelle en donnant quelques arguments qui sont les plus pertinents à votre sens. Alors, il y a des questions qui peuvent appeler quand même un refus, si elles sont cette fois-ci vraiment déplacées, si elles portent sur votre sexualité, par exemple. Cet élève de dernière année de l'ESSEC a envie de savoir s'il couchera avec vous l'année prochaine et qu'il finalement veut savoir jusqu'où vous irez dans l'intime, là, évidemment, il peut être bienvenu de ne pas répondre à la question. Mais dans ce cas, il faudra le faire sans se braquer, sans glacer l'atmosphère en envoyant péter le jury. Il faut essayer de trouver une dérobade. L'humour peut être un bon moyen de s'en sortir sans glacer comme ça l'atmosphère. L'humour et le sourire, là encore, c'est très différent de dire « Non, mais ça ne va pas de me poser une question pareille, je n'y répondrai évidemment pas car cela relève de ma vie privée. » Ou de dire avec un sourire « Écoutez, vous imaginez bien que ce n'est pas le lieu pour en parler et que je réserverai ma réponse à cette question. » Si vous le dites avec un sourire, évidemment, tout le monde va bien, tout se passe bien, on passe à autre chose. Si vous faites la porte de prison glaciale, cassante, etc., là, le jury a ce qu'il voulait, il valide son intuition, vous êtes pète sec, désagréable et chiant, et vous avez perdu une occasion d'être admis dans son école. Ne soyez pas inquiet si le jury vous pose des questions qui sont a priori agressives ou déstabilisantes. Vous croyez vraiment que vous avez votre place dans notre école? S'ils font ça, c'est pas mauvais signe. C'est pour voir si vous êtes capable de réagir, de garder votre sang-froid en situation de stress. C'est ce qui arrive à des managers toute la journée pendant des réunions un peu difficiles, pendant des négos un peu serrés. Et donc, ne voyez pas ça comme une agression, comme un mauvais a priori sur votre candidature. Cette question, elle est exactement la même que « Pourquoi êtes-vous candidat à notre école ?» ou alors dit dans son côté positif « Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans notre école ?» Ça, c'est la même question. Donc, si vous vous sentez, si la question est formulée de façon agressive, mais vous ne croyez pas vraiment que vous avez votre place chez nous, eh bien, répondez exactement de la même façon, défendez votre candidature, pas de façon tendue, mais de façon très posée. C'est un jeu, ne tombez pas dans le piège qu'on vous tend. Méfiez-vous de l'entretien qui apparemment se passe très bien, qui est facile, du jury gentil, agréable, qui vous sourit, qui vous encourage, qui vous dit « mais oui, c'est bien, très bien, etc. » Ne vous laissez pas endormir, en fait. Ne vous faites pas endormir par le jury, parce que parfois, le jury sourit, dit « oui, oui, c'est très bien », etc. Et se dit « c'est très bien, j'ai compris, c'est un 3, c'est un 4, c'est un 5 ». Sauf s'il réagit. Ne vous dites pas « oh là là, ça se passe hyper bien pour l'instant, aucune question difficile, je me mouille pas trop ». Elle sourit, elle me dit des grands « oui » à chaque phrase que je prononce. Il reste plus que 7 minutes. Si je continue comme ça, c'est bon, c'est gagné. Là, attention, c'est un risque, et un risque qui est caché, en fait, beaucoup plus que la tension qui pourrait exister avec des questions agressives. Et donc, ça va être à vous de ne pas tomber dans ce piège et d'aller chercher quand même le jury pour provoquer la rencontre. D'autres questions un peu difficiles,
qu'on m'avait posée moi, un peu difficile, en tout cas un peu intime, auquel je ne m'attendais pas du tout. Qu'est-ce que ça vous a fait, qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir des frères et sœurs, m'avait-on demandé à l'EM Lyon. Et on m'avait demandé juste après, qui est Joseph Granier ? Et Joseph Granier, vous ne savez pas qui c'est, mais moi je ne pouvais pas ne pas le savoir parce que j'habitais rue Joseph Granier à l'époque. Et donc je passais devant cette plaque au bout de ma rue tous les jours et ça aurait été un manque de curiosité de ne pas avoir lu au moins une fois cette mini-biographie en une ligne qui racontait la vie de cet explorateur du 15e siècle, je crois. Donc si vous avez été dans un lycée qui porte le nom d'un homme célèbre, mais pas tant que ça, si vous avez habité dans telle ou telle rue, si vous êtes né dans une ville de province ou à l'étranger, bref, vous devez être prêt à répondre aux questions du jury qui peuvent porter sur votre état civil et qui vont donner lieu à des questions hyper précises pour voir un peu comment vous réagissez. Donc relisez tout votre état civil et interrogez-vous sur tout ce qui peut sauter aux yeux du jury. Par exemple, mickey32@yahoo.fr. Dites-nous le secret de cette... Est-ce que vous faites des jeux de rôle? Est-ce que c'est votre adresse professionnelle? Je vois que votre mère a un nom de jeune fille à consonance américaine. D'où vient-elle? Donc, relisez tout cet état civil, ce que vous avez renvoyé, et essayez d'anticiper les questions qui peuvent vous être posées. On peut vous demander si vous avez fait une prépa. Question un peu difficile. Est-ce que vous avez fait une prépa? Oui? Non. Non? Oui? Non? Bah, si, bien sûr que si, c'est un signe de motivation. Vous avez dû passer des épreuves auxquelles vous n'étiez absolument pas préparé avec votre licence ou master à l'université. Vous avez dû acquérir une méthode et vous vous êtes fait aider pour ça. Très bon signe de motivation. Voilà. Vous avez d'ailleurs travaillé pour vous financer cette formation et ça vous a été très utile et pour telle et telle raison. Il ne s'agit pas de montrer au jury que vous avez été formaté, qu'on vous a donné des réponses à lui donner, mais au contraire que ça vous a aidé à acquérir une méthode. Je crois que c'est ça la meilleure des réponses. Et puis si on vous demande, avant la dernière question, si on vous demande si vous avez un plan B, qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas admis dans notre école ? Ça, c'est une question qui revient très fréquemment. Ben, il ne faut pas hésiter à dire que vous espérez être admis dans une autre école, puisque vous cherchez une formation en management, mais que vous envisagez de toute façon de revenir l'année prochaine à nouveau comme candidat devant eux. Ça dépend de votre situation, évidemment. Hein, si vous n'êtes pas trop avancé dans les études et que vous n'êtes qu'en licence 3, par exemple, ça peut être une bonne réponse. Il ne faut pas hésiter à la donner. Et puis, dernière question, oui, si on vous demande à la fin de l'entretien, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce que vous avez une question à nous poser ? Le jury peut vous demander ça. Si vous avez préparé votre réponse toute faite parce que vous saviez qu'on vous poserait la question et que vous la plaquez comme ça, ça peut paraître artificiel et ça peut faire un assez mauvais effet. Donc moi, je préconise de ne pas répondre, de ne pas poser de questions supplémentaires ou de ne rien ajouter, sauf si vous avez une question à poser à un des membres du jury et qui porte sur sa présentation initiale qu'il a faite au départ, ou alors sur ce qu'il a dit à un moment donné dans l'entretien, si vous voulez en savoir plus sur la matière qu'il enseigne, si c'est le professeur qui fait partie de votre jury. Eh bien, s'il vous a posé une question à un moment dans l'entretien, que manifestement vous n'avez pas comprise, vous avez eu l'impression d'être passé à côté, d'avoir été un peu à côté de la plaque, vous pouvez revenir sur ce moment. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire exactement quand vous m'interrogiez sur tel ou tel problème ? Mais il ne faut pas effectivement sortir un truc plaqué, appris par cœur et préparé qui paraîtra très artificiel. Ah, il y a quand même deux cas de figure un peu différents, parce que là c'est « avez-vous une question à nous poser ?» mais ça peut être aussi « avez-vous quelque chose à ajouter ?» Et dans ce cas, si vous avez l'impression de... Si vous êtes frustré parce que vous auriez aimé parler d'un trait saillant de votre personnalité, d'un atout, d'une expérience ou de quelque chose qui est clé dans votre candidature, vous pouvez en toucher un mot à ce moment-là. Pas de façon aigrie, frustrée, déçue. J'aurais tant aimé parler de ce voyage en Chine. C'est foutu, je suis passé à côté. Là, dites une phrase ou deux qui permettra au jury éventuellement de redécoller et de poursuivre l'entretien encore pendant quelques minutes. Ça, c'est possible. Mais faites-le joyeusement, de façon enthousiaste.